ne prenez pas de cours en ce moment avec la France. Sinon, vous allez stagner. Saltimbanque, c'est sûr. Chanteur, pas volontairement. Parce que ma définition idéale, c'est parleur en musique. J'y tiens d'autant plus que, étant musicien et mélodiste, donc le mec qui se paluche un tout petit peu avec les mélodies qu'il fait, je pense que l'important, c'est les mots à dire, surtout quand on fait de la scène, car on est sur une scène et on envoie aux gens quelque chose. C'est le premier lien de communication, c'est la compréhension. Je serais vraiment très ingrat de choisir entre les deux. C'est chaque fois une construction différente, ça n'a rien à voir. Après le Big Bazar, il y a une compagnie de théâtre musical. Après, je suis allé faire un atelier école à Nice. C'est plutôt vie plate ou une aventure. Voilà, alors c'est aventure. Ah, ça c'est salaud. L'artiste n'est pas forcément engagé, il fait ce qu'il veut, il est bien libre, mais c'est aussi un citoyen. J'ai une vision assez précise de l'artiste. L'artiste est dans la marge d'une page, mais la marge, c'est aussi dans la page. L'artiste regarde ce qui se passe dans la page, reçoit, passe par son filtre et renvoie dans la page à des gens. Je suis très passionné par le rôle de l'artiste dans la société, ne serait-ce que pour faire comprendre aux gens ce qu'est un artiste et combien c'est indispensable, combien c'est important. Les artistes dans une société, je dis bien les artistes, n'est pas artiste qui veut. Ni l'un ni l'autre sont des opérations commerciales qui ne servent à rentrer du blé qu'à la télévision. C'est-à-dire que la télévision, je crois que Moujotte l'avait dit, ce qui est important, c'est la pub qui passe dans ses émissions. Lui, il se fout éperdument. Ça aurait pu être n'importe quoi, pourvu qu'il fasse de l'argent. T'es né salaud, toi. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas Michel Sardou, mais artistiquement, Nounou, c'est imparable, quoi. Un principe plutôt Brel, mais respectant tout à fait Stromae, dont on dit que c'est le Belge d'aujourd'hui, ce qui n'est pas vrai du tout. Ça ne ressemble pas, ça ne ressemblera jamais. C'est simplement une analogie dans la voix, parce que Stromae est plutôt dans les graves. Ça me paraît un peu court, jeune homme. Mais les deux sont bons à prendre. Il y a beaucoup de talent en Belgique. J'ai passé plus de temps à engueuler les Belges en leur disant « vous ne savez pas reconnaître vos artistes ». Ce qui me paraît un tout petit peu pas bien. Arrêtez de vous penser moins important que la France. Ne prenez pas de cours en ce moment avec la France. Sinon, vous allez stagner.